Bon, allez, s'il vous plaît, là. Faites comme d'habitude, les deux tours, vous rentrez. L'heure qu'il est, ils peuvent passer par l'église. Pour les croyants, mettez un cierge. Et les non-croyants, vous pouvez vous convertir. Ben oui, oui, oui. Je ne sais pas si ça irait pas de bien de passer. C'était mon avis, monsieur, après tout ce qui est simple. Et tu m'as dit le contraire, non? Aurais-tu mal compris, Jean-Paul ? Ben, on n'en a pas dû bien se comprendre. Enfin, moi, je voulais aller sur le... Alors, elle me dit aller sur le plat, et dire, oh, je vais sur le plat, c'est pas grave. Elle est bien progressée, c'est du monde, en Marantine. La troisième de groupe, l'autre jour. Ouais. C'est du monde. Un dimanche. En plat, c'est pas mal aussi ce que tu as couru. Qui ? Toi. Avec qui ? À Saint-Cloud, là. Une bonne course que tu avais couru. Stormira ? Ouais. Ah bah oui, c'est pas mal, bien évidemment. Elle a gagné la Camargo, là. C'est pas mal. Ouais. Et là, elle va courir le cours de Saint-Alary. Ouais. Et après, le cours selon comment elle est, elle va sur le prix de Diane, mais enfin. En principe, elle est prévue pour le prix de Diane. Hein. Ouais. C'est la ligne de la poudée des pouliches. Bien sûr, hein. Ouais. Pour ça. On verra bien. Hein. Ouais. On ne les empêche pas de galoper. Hein. Ben non, vaut mieux pas. Ben non. Pas fait pour. Ben non. C'est pas fait pour, mais ce qui est marrant, c'est que quand les chevaux vont doucement, on dit qu'ils sont pas bons. Ouais. Et quand ils vont vite, on leur tire dessus pour qu'ils aillent doucement. Alors, j'ai du mal à comprendre, mais il paraît que c'est comme ça. Les courses françaises, que tu cours 1000 mètres ou 4000 mètres, c'est toujours 400 mètres. La poule d'essai des pouliches, là, des chevaux de cette qualité, là, ils se sont marchés dessus, ils se sont jetés. Ouais. Etc. Bon. Moi, de toute façon, je suis contre les leaders dans ces courses-là. D'abord, c'est contre le code des courses. Ces chevaux-là, ils ne défendent pas leur chance. Hein, et ils gênent les autres chevaux. Il y a toujours des foutoirs avec les leaders. Ribaud, il avait besoin de leader. Non. Bon. Hein, Sirius des Aigles, il a besoin d'un leader. Oui, hein, il l'a fait lui. Ah, mais voilà. Hein. Incroyable, un leader, alors un coup tu mets un leader pour qu'il aille vite, il est 200 mètres derrière, ça sent rien. Un coup tu en mets un pour qu'il aille doucement, et quand alors ils sont derrière, ils tirent. Donc. Ils aillent apprendre leur métier en Angleterre, puis après ils reviendront. Hein. Ah, c'est des courses sélectives en Angleterre. Ah, bah, c'est des vraies courses. C'est des vraies courses. On court la distance que l'on court. Que nous, tu cours 1000 mètres ou 4000 mètres, c'est toujours 400 mètres. Alors. C'est vrai que c'est souvent des déboulés. Hein. Ils ont qu'à faire du fractionné. Ils ont qu'à faire du fractionné. Telle distance, ça doit se courir en temps de temps. Hein, et tous les 200 mètres, il faut être dans le temps. Autrement, tu es distancé ou tu as une amende. Eh ben oui, et alors une course. Tu crois que si c'est le sport, les courses, c'est olympique. Et quand ils font les Olympiades, ils vont doucement. Ils vont pour battre des records. Nous, oui, on bat des records de lenteur. Non mais c'est dommage. C'est tout simplement dommage. Voilà. Bon bah Shannon il essaiera de faire un peu mieux que l'année dernière. Bah, juste un petit peu mieux ça suffira. On va pas l'empêcher, mais l'année dernière je pense que il aurait pu gagner. Je pense qu'il aurait pu gagner une grosse type. Enfin, c'est du passé. Ouais. On va pas regarder dans les rétroviseurs. Bah on va là, regarder, on va regarder devant nous. Quoique, regarder derrière, ça permet quelquefois de comprendre le présent pour préparer l'avenir. Hein. Ouais. Ben oui, hein. On n'a rien inventé. Hein. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, oui. J'ai fait des études. Le,
regarder dans le rétroviseur, ça peut comprendre les erreurs à ne pas faire ou ce qu'on a fait de bien, pas forcément les erreurs. Et puis dire, bon, ben voilà, on va faire comme ça, mais enfin, bon. On est... Là, la course est ouverte hein, cette année. Hein. Il n'y a pas vraiment de grandissime favori. L'année dernière, c'était pareil. Hein. Ouais, c'était un peu pareil l'année dernière. Ouais. Non, mais... Il n'y a pas de... Il suffit pas d'avoir tous les paramètres, il suffit pas d'avoir le bon cheval. Mm-hmm. Déjà, il faut que les jockeys, ils comprennent ce que dit le starter français. Ouais. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, les jockeys anglais, quand ils viennent en France, avant de monter, il faut qu'ils aillent prendre des leçons de français pour comprendre ce que dit je le... Parce que Ruby Wall, il a dit, je suis pas bien parti parce que j'ai pas compris le français. Normalement, dans les hommes de chevaux, on n'a pas besoin de parler. Non. L'homme de cheval, où que tu sois, peu importe la nationalité, l'homme de cheval, on ne parle pas. C'est dans l'agissement qu'on se comprend. Mais lui, il a dit, le starter français, oui. Pas facile de comprendre. Il va faire ses leçons. J'ai cru qu'il parlait de Remember Rose. Oui. Absolument. Absolument. Mais vous vous rendez compte, quand vous avez le cheval du grand cible, quand même, favori du grand cible, oui. Le starter... Oui. Oui, c'est une faute. Non, mais c'est une faute professionnelle. Oui, oui, oui. Professionnelle. C'est un manque de respect pour tout le monde, pour les gens qui ont joué, le turfiste, pour l'éleveur, le propriétaire, l'entraîneur. Ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi ils n'ont pas repris le départ, ce genre-là. Mais parce qu'il n'y a pas de faute. Parce que eux. Ah, derrière eux, ils estiment qu'il n'y a pas de faute. Ah, il n'y a pas de faute. Ils disent que c'est la faute du jockey parce qu'il a voulu voler le départ. Mais c'est, ce qui n'est pas vrai. Hein. Ben non. Mais si c'est vrai. Ben on fait faux départ un peu. Hein, voilà. Ouais. Un peu de compétence et un peu de respect, ça ferait de mal à personne. Sur 6000 mètres, c'est pas vraiment important pour faire une ligne et un départ avec. J'ai compris votre question, mais à mon avis, pour eux, ça doit être 800 mètres ligne droite. Ouais. Ouais. Au bout de 6 minutes, ils ont le temps de savoir. Comme ils sont partis en ligne droite, ils ont dû dire. Non, mais on n'a pas les box pour les. Mais bien sûr, il n'y a pas la place. Non, mais normalement, ouais. Le starter, c'est le général. Ouais. Et les jockeys, c'est le soldat. C'est le général qui donne les ordres aux soldats. Ouais. Nous, en France, c'est le contraire. C'est le soldat qui donne les ordres au général. Ouais. Non, monsieur. Non, je pars pas. Non, mais on aurait pu tuer le jockey, on aurait pu tuer le... Oui. C'est grave quand même. On partait, on faisait le 8, l'intérieur, l'extérieur. Et la majorité des jockeys se connaissaient tous. C'était des jockeys qui montaient quasiment qu'à Auteuil, à cette époque-là. Ils se connaissaient tous. Ils faisaient un premier tour, un deuxième tour. Et la course commençait à se décanter au deuxième tour de la rivière. On sautait deux fois, et on saute toujours deux fois la rivière. Et là, ben, on commençait à avancer, évidemment. Ben, les bons étaient devant et les moins bons étaient derrière. Mais maintenant, les courses d'obstacles à Auteuil, ils se courent sur un rythme, c'est pas péjoratif, mais ça se court plus qu'un rythme de province. C'est-à-dire ils partent à une vitesse. Et s'ils ne tombent pas et qu'ils ont du gaz, ils peuvent gagner. Alors si tu ne les suis pas, eh ben, voilà. Alors si tu veux suivre, tu es toujours un petit peu à la limite dans le rouge. Le rythme des courses a changé. La façon de courir a changé. Bon, il y a toujours un départ et une arrivée. Hein. Et à votre avis, pour le bon ou pour le Moi, le je mauvais. Trouve que c'est moins bien. Ouais. Pour l'image des courses, pour la beauté de la course, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus mieux quand on part ensemble, on s'attend. Hein, et puis, voilà. Et les chevaux trouvent leur rythme. Mais au plus on va vite, au plus il y a du danger. Hein. Au plus on va vite, au plus on est sur les épaules. Mm-hmm. Et pour qu'un cheval saute, il faut qu'il fasse ça. Et dans la même foulée, vous ne pouvez pas faire ça et ça. Hein. Mm-hmm. Et voilà. Et bon. Bon, c'est comme ça. Et c'est la vie moderne, c'est plus vite. Ben, on va toujours plus vite, et oui. Et souvent, pour aller, on veut tellement aller vite, au lieu d'avancer, on recule. Hein. C'est... Bon, on a tout changé. On a changé la date, parce qu'avant, on courait au mois de juillet, il faisait chaud, les chevaux tombaient, bon. Mm-hmm. On a changé la distance, on a changé le parcours,
on a tout changé. Alors maintenant, c'est au mois de mai, ça vient un peu tôt. C'est la distance, bon, c'était 5008, maintenant c'est passé 6000, c'est pas plus mal. Ça fait le changement de date, ça fait des difficultés de préparer les chevaux quand Otto est. Oui, mais il y avait. Au mois de mars, c'est pas. Ben oui, ça fait un peu court, les courses préparatoires. Et puis, non, mais il y avait des raisons, le président nous a expliqué avec Roland Garros. Oui. Pour ne pas. Hop. Roland Garros, hein, comme juste à côté, alors on risque de pas avoir autant de public, et puis je ne sais pas, il y a un problème de télévision, il y a des choses qui nous échappent, il nous l'a bien expliqué, mais enfin comme on est impuissant et on n'a pas d'avis là-dessus, on ne s'arrête pas à écouter, on perd du temps pour rien. Hein. Ouais. Yeah, sing, my love.